Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un voyage en Polynésie, en particulier de Tahiti et aux îles Marquises, en compagnie de Paul Gauguin. Alors d'abord, qui était Paul Gauguin? Tout le monde connaît le peintre. Il est né en... Ici, vous avez une photo où il a un gilet breton. En dessous, son veston. Il est né en 1848 à Paris. Son père est un journaliste très célèbre et sa mère est la fille de Flora Tristan, la militante féministe d'origine franco-péruvienne. Il a passé des années d'enfance à Lima, au Pérou, donc ce qui lui a donné le goût déjà des voyages. Devient marin, lieutenant de vaisseau, puis agent de change. Et tout d'un coup découvre la peinture et décide de devenir peintre. Il était complètement autodidacte. Alors, il a commencé d'abord par se débarrasser de sa femme et de ses enfants. La femme était d'origine danoise et il les a renvoyés carrément au Danemark pour être plus tranquille. Et il a décidé avec un certain nombre d'autres peintres d'aller à Pont-Aven. Et pourquoi Pont-Aven? Parce qu'il était fasciné par la Bretagne et le primitivisme, c'est-à-dire il pensait que les Bretons étaient les représentants d'un archaïsme provincial et rustique, en particulier dans les vêtements, l'art de vivre et toutes les formes qu'on pouvait trouver en Bretagne à l'époque. Et donc il décide de s'installer pour quelque temps à Pont-Aven. Alors vous avez une photo là de Pont-Aven avec la rivière Aven. Alors il a commencé à peindre très rapidement, je ne vais pas m'étendre sur la période de Pont-Aven, sinon pour vous présenter deux tableaux extrêmement intéressants. D'abord, Les Meules ou Le Champ de Pommes de Terre, peint en 1890. C'est un tableau donc peint à Pont-Aven avec au premier plan des vaches et un personnage qui sont complètement intégrés dans le paysage à la manière d'une tapisserie. Et la perspective est suggérée dans la moitié supérieure du tableau. Autre tableau, très 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 connu, mais c'est un tableau absolument génial. C'est la vision après le sermon de 1888. Alors, de quoi s'agit-il? Les Bretonnes sortent de l'église et ont une vision ou une apparition. Il s'agit de personnages évoqués au moment du sermon par le recteur. Et quels sont ces personnages? Il y a deux personnages que vous voyez sur votre gauche. C'est Jacob et l'ange. C'est la lutte de Jacob avec l'ange. Et c'est à ce moment-là que Jacob a reçu de la part de Dieu le nom d'Israël. Alors, le tableau est extraordinaire parce que vous avez une diagonale qui traverse complètement l'espace. Et d'un côté, vous avez les Bretonnes avec leur coiffe au premier plan. Et en dessous, le Jacob et l'ange. Il s'agit presque d'un ring de boxe. Pour cette histoire de Jacob et de l'ange, il faut savoir que les Juifs, Jacob ayant été blessé à la hanche, les Juifs ne mangent jamais, pour cette raison, des ligaments au voisinage de la hanche. C'est un petit détail, mais c'est intéressant. Il faut à ce sujet lire l'ouvrage de Jean-Paul Kaufmann, qui s'appelle « La lutte avec l'ange », qui est paru en 2003. Alors, il est resté quelque temps à Pont-Aven, et puis il a fait une escapade pour voir Vincent Van Gogh
en Arles. Alors, il a séjourné 2 mois en Arles avec Vincent Van Gogh, et là, ça s'est très très mal passé. On ne sait pas très bien s'ils se sont battus, s'ils étaient sous, enfin. Alors, ensemble, ils peignent des tableaux, et puis un beau jour, ça se passe mal, et Van Gogh se retrouve avec l'oreille coupée. C'est ce fameux tableau que vous voyez ici. Alors, c'est un autoportrait de Van Gogh avec son bandage. Alors, après ces épisodes peu glorieux, toujours à la recherche de primitivisme, Gauguin décide de partir pour Tahiti. Alors, à l'époque, le voyage était très très long, 2 mois et demi. On partait de France et on passait par le canal, le canal. Oh zut, c'est pas Panama, c'est l'autre. Attendez, le canal de Suez jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, et 2 mois et demi avant d'arriver donc à Tahiti. Et sur cette photo, vous voyez une carte postale que j'ai retrouvée d'une mission évangélique, et vous voyez 2 femmes devant en robe dite du missionnaire. Hein, c'est-à-dire que quand les missionnaires sont arrivés à Tahiti, les femmes étaient à moitié nues, elles avaient des paréos, etc. Et ils ont exigé qu'elles portent toujours des robes. Et vous verrez plus tard dans les tableaux de Gauguin, des femmes en effet avec cette fameuse robe dite du missionnaire. Continue. Alors, où est Tahiti? Alors, Tahiti est en Polynésie. Alors, il faut savoir que la Polynésie française, c'est un espace énorme, plus grand que l'Europe actuelle en surface. Il y a 110 îles. Quelques-unes sont inhabitées. Et si vous regardez sur cette photo, enfin vous avez une idée des distances. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez l'archipel des Tuamotu, l'archipel de la Société, et tout à fait au sud, l'archipel des Australes, vous voyez, qui serait à hauteur du sud de l'Espagne, l'archipel des Gambiers, à hauteur de la botte italienne, et tout en haut, hein, c'est-à-dire au niveau de la Russie, l'archipel des Marquises. Vous voyez, les distances sont absolument énormes. En Polynésie, on voyage bien entendu en bateau, mais surtout en avion actuellement. Parce que la superficie, donc, est plus importante, hein, que l'Europe actuelle. Alors, la Polynésie a pour caractéristique d'avoir des paysages volcaniques. Ce sont des volcans. Et des volcans qui, au cours des millions d'années, sont venus aussi des atolls. Alors, je vous ai mis un petit tableau pour vous montrer comment les volcans devenaient des atolls, hein, c'est-à-dire que le long des flancs du volcan, il y a eu des récifs coralliens qui se sont formés au cours des millions et des millions d'années, et puis brusquement, le sommet du volcan s'est effondré et ça a créé un atoll. Alors, il y a beaucoup moins d'atolls en Polynésie que d'îles complètement volcaniques. Et sur beaucoup d'îles, il n'y a pas de plage. Alors, le plus bel atoll de Polynésie, c'est l'atoll de Rangiroa. C'est le deuxième plus grand atoll du monde. Il fait 80 km de long et 32 km de large. Et on y rentre par des passes. À l'intérieur de l'atoll, vous avez 35 mètres de profondeur. Alors, une photo
du lagon. Et dans ces lagons, il y a en général, je les ai vus, des requins dits d'atoll, qui sont absolument pas dangereux, mais très désagréables à côtoyer. Voilà encore une photo des lagons de Polynésie. Alors, arrivé en Polynésie, notre Gauguin s'installe tout d'abord à Tahiti. Et ici, je vous ai mis un autoportrait de Gauguin peint en Polynésie en 1893, avec au fond du tableau, il a mis un de ses propres tableaux, sans doute Nevermore. Alors, comment était Tahiti? Pas pété, en 1900. On a des photos, c'est merveilleux. Vous avez donc un relief extrêmement montagneux et puis un port et avec une église. À Tahiti, la majorité de la population est protestante ou plutôt évangélique. Alors, très beau tableau peint à Tahiti. Vous voyez la douceur du paysage, avec des tons très très doux. Et de ce tableau, on ressort un calme, une sérénité absolument extraordinaire. Alors, on a une photo de la première maison de Gauguin à Tahiti, qui était tout simplement une maison polynésienne, une hutte, hein, avec faite de branchages et de palmes. Elle n'existe plus. Alors, ça c'est une sculpture maori, c'est-à-dire les premiers peuples de Polynésie, et c'est ce qu'on appelle un tiki. Un tiki, c'est une sculpture traditionnelle qu'on trouve un petit peu partout sur des plateformes sacrées, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et on va retrouver aussi ces tikis dans la peinture de Gauguin. Alors, autre tableau extrêmement célèbre, ce sont des femmes peintes à Tahiti en 1891. Alors, je vous ai montré tout à l'heure deux femmes en photo avec la robe dite du missionnaire. Ici, ce sont deux femmes sur la plage. Celle qui est en rose a une robe de missionnaire et celle qui a un pareo est en costume habituel pour les Polynésiennes. Et elles ont toutes les deux des fleurs de tiare et d'hibiscus. Et elles sont en train de travailler sur la plage. L'une tisse avec des palmes, parce qu'ils utilisaient des palmes pour faire des sous-vêtements, c'est assez intéressant. Et puis la femme qui a la fleur de tiare discute sans doute avec l'autre. Et au premier plan, vous avez une boîte d'allumettes. Autre tableau. Alors, Vahiné no te tiare, 1891. Alors, Gauguin a pris l'habitude de donner des titres tahitiens à ses tableaux. Alors, celui-ci, c'est une des compagnes de notre ami Gauguin. Ce tableau est très intéressant parce que la vainée no te tiare, ça veut dire la femme à la fleur. Donc, là, toujours la robe missionnaire d'un bleu violet froid et qui tranche sur le rouge foncé du siège, tout en créant un contraste complémentaire avec le jaune rayonnant du fond. Les cheveux noirs se parent bien entendu de la fleur de tiare, un motif que le peintre va réutiliser tout au long de son séjour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fleur de tiare? En voici une. On en trouve partout en Polynésie. Ce sont des arbres et on cueille ces fleurs.
Les hommes les portent en bouton, mais les femmes les portent à l'oreille. Et actuellement, quand on rentre dans un magasin, on vous offre une fleur de tiare. Ça sent très très bon. Autre tableau, intitulé Terre délicieuse, 1892. Alors, c'est l'artiste a réalisé une version exotique de la tentation d'Ève. Alors, voyez Ève dans le paradis terrestre, et le tentateur est un oiseau à la place du serpent. Vous voyez l'oiseau avec ses ailes rouges. Et elle tient une fleur. Attendez, je vous appelle. Oui, elle tient une fleur en guise de fruit défendu. Très beau tableau, très calme, plein aussi de sérénité. Alors, Gauguin a été fasciné par la manière dont les Polynésiens vivaient en symbiose avec la nature. Autre tableau, peint à Tahiti, jour de marché. Ce sont des femmes qui sont assises sur un banc et qui discutent entre elles, mais vous voyez que l'influence est totalement égyptienne, puisque les personnages sont de profil. Alors, les aïeux de Teamana en 1893. Alors, Teamana est une jeune Tahitienne qui deviendra l'épouse principale de Gauguin. Il en aura beaucoup, mais celle-ci était aussi très jeune. Les détracteurs de Gauguin disent qu'elle avait 12 ou 13 ans, mais on pense maintenant qu'elle avait 17 ou 18 ans. C'est un portrait, donc elle est habillée avec une robe toujours de missionnaire, mais avec des rayures bleues et blanches, et elle porte à la main un éventail tahitien, et au fond, il y a également des personnages qui seraient des esprits maléfiques. Notre ami Gauguin était fa absolument fasciné par la peur qu'avaient les Tahitiens des esprits. Alors, on a quelques photos de Gauguin avec ses femmes. Il en aura plusieurs. Maintenant, on parlerait de lui comme d'un prédateur, parce que il allait chercher des filles extrêmement jeunes, hein, 14, 15 ans, et en général dans les couvents de bonnes sœurs. Là, on a une photo, deux photos, vous allez voir. Celle-ci, Gauguin embrasse une femme, et l'autre femme, visiblement, ça ne lui plaît pas du tout. Voilà, encore une photo. Et Gauguin est à l'extrémité gauche, hein, à côté d'une femme qui a un chapeau. Ces photos nous rendent absolument mal à l'aise. Enfin, moi, j'apprécie pas beaucoup. Mais il faut savoir distinguer le peintre de l'homme. Alors, Matamoé, 1892, superbe tableau avec un paysage tahitien dans lequel. Donc c'est le paysage dans lequel Gauguin avait choisi de vivre. Et vous avez au milieu du tableau une cabane, c'est sa cabane. Et devant, au premier plan, vous avez un magnifique paon, superbe. Là aussi, tout n'est qu'ordre et beauté. Autre tableau, Vahiné à la mangue. 1892. Alors là, c'est Teamana, donc l'épouse principale, en robe missionnaire, qui est enceinte.
Et elle porte une fleur de tiare, que vous voyez. Et elle a une mangue qui a le symbole de la fécondité. Alors, très beau tableau aussi, parce que le contraste entre des cheveux noirs, le jaune du fond et puis le violet de la robe, c'est absolument superbe. Alors, le coquillage et l'oreille, 1892. C'est toujours tableau peint à Tahiti. Au fond, vous avez des femmes qui discutent à côté du fameux tiki que je vous ai montré tout à l'heure, la sculpture traditionnelle. Et au premier plan, vous avez des femmes qui sont en blanc, qui semblent donc confectionner des couronnes que les femmes portent traditionnellement. Vous en verrez tout à l'heure. Là aussi, plein de beauté. Alors, Nafea Faipoipo. Je ne parle pas tahitien, rassurez-vous. C'est un tableau très célèbre. Alors là, vous pouvez remarquer qu'il utilisait beaucoup deux modèles à la fois. Beaucoup de tableaux ont deux femmes. Et celui-ci est très caractéristique, hein. Il a été vendu 300 millions de dollars à un Qatari assez récemment. Et il valait 7 francs à la mort de Gauguin. Et le titre veut dire « Quand te maries-tu ?» Deux jeunes femmes, donc, sont assises. L'une est plutôt accroupie qu'assise. Et elles portent des fleurs de tiare. Et leurs vêtements aux couleurs rouge sang se confondent. Toujours dans un paysage extrêmement calme. Autre tableau, Manaou, Tupaou, l'esprit des morts veille. Alors ce tableau-là est plus inquiétant. Gauguin représente au premier plan sa compagne polynésienne, Théoura, nue et allongée. Elle est couchée à plat ventre sur des draps blancs, recouvrant des pareos avec des fleurs jaunes. Au second plan, on trouve toujours un étrange personnage habillé de noir. Hein, c'est le sorcier. Il est de profil et semble entrer dans cette chambre. La femme à manger a peur. Et le fond du tableau est composé de diverses taches aux couleurs violacées, il semble se tramer quelque chose de mystérieux. Gauguin a souvent utilisé le thème du revenant dans ses tableaux. Autre tableau, plus calme, La femme aux fruits, 1893. Donc, la femme tient un fruit et. Il faut savoir qu'en Polynésie, les fruits sont géants. Les pamplemousses ont la taille de melon et les mangues ont la taille de chou. C'est énorme. Alors, un autre tableau qui s'appelle Le Jour de Dieu, 1894. Il s'agit plus d'une œuvre imaginaire que de la description réaliste des coutumes des mers du Sud. Alors vous avez une idole, la déesse Ina au centre. À sa droite, des femmes dansent une ancienne danse tahitienne, suggestive que les missionnaires ont essayé vainement de supprimer. Au centre se trouve une baigneuse entourée de deux figures ambiguës, sexuées, couchées sur le sable. Peut-être, on ne sait pas très bien ce qu'a voulu dire Gauguin, peut-être que ce tableau représente la naissance, la vie et la mort. Et Gauguin aimait beaucoup aussi les énigmes. Et celle-ci en est une parce qu'on n'a jamais pu éclaircir ce qu'il a voulu dire exactement. Alors, autre tableau. Teari Vainé.
L'épouse du roi, 1896. L'épouse du roi est une reine de beauté dans un paysage luxuriant avec un arbre à tiare, une femme pose nue. Comme Gauguin connaissait le classique, hein, on sait d'où il s'est inspiré. Je vais vous montrer, en particulier de la Mara Desnuda de Goya et l'Olympia de Manet. Voilà la Mara Desnuda de Goya et l'Olympia de Manet. Ce tableau de Manet a fait scandale. Il est actuellement au musée d'Orsay, vous pouvez le voir, parce que c'est une prostituée qui regarde juste en face pas le lecteur, mais le spectateur. Et vous avez des fleurs tenues par une servante noire et un petit chat qui est une allusion érotique. Vahiroumati, 1897. Gauguin représente un mythe, le dieu créateur Horo, qui voulait une femme, une jeune femme mortelle, afin de créer avec elle une race supérieure. Ce tableau-là aussi est assez mystérieux. Alors pourquoi la rat nuit est là? Bon. Alors, on va parler maintenant des marquises, parce que notre ami Gauguin n'est pas resté simplement à Tahiti. Après être revenu en France pendant quelques mois, il est reparti et il est allé s'installer aux Marquises. Ici, la photo que vous voyez, c'est le bateau qui s'appelle la Ranui, hein, qui, toutes les 3 semaines, dessert les Marquises qui sont à 1 400 km de Tahiti. Il faut 2 jours et demi de mer pour y accéder. Alors là, c'est un tableau Nevermore, hein, qui est de 1897. C'est le tableau a été peint lors du deuxième séjour de l'artiste à Tahiti. Le nu symbolise l'innocence perdue face à la colonisation française de l'île. Et le corbeau est un oiseau de malheur qui participe à la morosité de la scène. La tête du personnage, de la femme, est juste éclairée par le jaune du coussin. C'est un tableau assez inquiétant. Au fond, vous avez aussi les corbeaux d'oiseaux de malheur. Alors, là aussi, un tableau très célèbre, D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, 1897. Et on lit le tableau de droite à gauche. À droite, c'est la naissance, et à gauche, la mort. Et entre les deux, vous avez la vie. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gauguin est revenu en France en 1893. Il est allé faire ses adieux à sa femme en 1894 à Copenhague et à ses enfants, parce qu'il avait des enfants. Il retourne de nouveau à Tahiti en 1895. Il s'installe définitivement aux Marquises le 16 septembre 1901. Il arrive à Ivaoa et fait construire une maison sur pilotis sur un terrain marécageux vendu par l'évêque. Il donne un nom à sa maison, la maison du jouir, tout un programme. Et la maison du jouir est vraiment une provocation, parce que personne ne voulait lui vendre de terrain. Et finalement, l'évêque a accepté, mais il ne savait pas à qui s'adressait, parce que la cohabitation entre
les Marquisiens et Gauguin a été très très houleuse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'archipel des Marquises? C'est au nord de la Polynésie française, 1400 km de Tahiti. Donc il y a 14 îles, dont certaines sont complètement désertes. C'est un climat tropical, on est presque sous l'équateur. Mais il y a des îles qui sont complètement sèches. C'est assez étonnant. Et les sommets peuvent atteindre jusqu'à 1100 mètres d'altitude. Il n'y a quasiment pas de plage aux Marquises. Il y a un cycle saisonnier propre aux Marquises, avec deux saisons. L'été austral, une saison chaude et humide, qui s'étend du mois de janvier au mois d'avril, avec des températures moyennes élevées, 28 degrés. Mars étant le mois le plus chaud de l'année. L'hiver austral, en saison froide, la saison est plus fraîche, c'est plus agréable, et ça va du mois de septembre au mois de décembre. On est à 300 km de l'équateur et 1400 km de Tahiti. Et la population est arrivée à partir de moins 150 avant Jésus-Christ, jusqu'au 11e et 12e siècle, et ils venaient des îles Samos et Tonga, à l'ouest de l'Australie. Alors, pourquoi île Marquise? Tout simplement parce que c'est un Espagnol qui, au 16e siècle, a découvert les îles Marquises. Il s'appelait Alvaro de Mendaña, et il donna ce nom en hommage à l'épouse du vice-roi du Pérou, la Marquesa de Cañete, donc île Marquise. Alors, tableau, l'essaim aux fleurs rouges, 1899, deux Tahitiennes qui portent un plat de mangue, donc une huile sur toile, ça aussi, c'est un signe de fécondité. Alors, comment est-ce qu'on va maintenant aux Marquises? Du temps de Gauguin, on y allait qu'en bateau, et maintenant, on y va en avion, mais surtout en bateau. Alors, il existe un bateau qui s'appelle la Ranui, que je vous montre ici, qui, toutes les trois semaines, dessert toutes les îles des Marquises. Et c'est un cargo dit mixte, c'est-à-dire que vous avez une partie avec des marchandises, depuis des voitures, des frigos, tout ce que vous voulez, toute la nourriture, des chambres froides, et un château arrière avec des cabines où on peut mettre 200 passagers. Alors, qui sont les passagers? Soit des gens qui font une croisière, mais soit tout simplement des Polynésiens qui vont dans des îles pour différentes raisons, voir de la famille, travailler, etc. Donc voici la Ranui. Et alors, la Ranui, il y a très peu de ports aux Marquises, dans les îles, et la Ranui met l'ancre au large, et on descend les marchandises comme les passagers dans des barges. C'est quelquefois très, très sportif. Alors, Gauguin s'installe aux Marquises. Et alors là, il commence à fomenter des rébellions face à l'administration coloniale. Il incite les Polynésiens d'abord à ne pas payer leurs impôts. Ça commençait bien. Il enlève une jeune fille de 13 ans, Marie-Rose, V-O-O, qui deviendra sa vaïnée, puis une autre qui s'appelle Henriette. Tout ça chez les bonnes sœurs. Il est condamné à 500 francs d'amende et 3 mois de prison ferme en 1903 pour diffamation envers la gendarmerie. Et il laisse surtout une très mauvaise réputation aux Marquésiens. Alors, où est-ce qu'il s'installe? Il s'installe dans une île qui s'appelle Ivaoa. C'est une île extrêmement montagneuse, il n'y a quasiment pas de plage, où les plages sont inaccessibles.
Parce qu'il faut savoir qu'aux Marquises, il y a des insectes qu'on appelle des nonos, qui sont endémiques, qui sont extrêmement dangereux. C'est-à-dire que quand on va sur des sites où il y a, ou des plages où il y a des nonos, on est obligé de s'habiller de pleine en cap avec des vêtements qui ferment, parce qu'autrement, les piqûres de nonos, c'est quelque chose d'épouvantable. Et ces nonos empêchent aussi le développement économique des Marquises, parce que on n'y va pas pour se bronzer et se baigner. Alors, voici une autre vue d'Ivaoa avec une caldeira. Hein. C'est une caldeira, vous savez, c'est une dépression circulaire qui est le fond d'un ancien volcan. Alors, je vous mets aussi une autre photo. Vous voyez le style de plage qu'il y a aux Marquises, hein, à Ivaoa, c'est-à-dire que vous avez une mer extrêmement limoneuse, et puis elle est très très grise, elle n'est absolument pas bleue comme sur les lagons de Rangiroa, etc. Les Marquises, c'est un autre monde. Alors, voici la maison du Jouir à Ivaoa. C'est une reconstruction parce qu'après la mort de Gauguin, les Polynésiens en avaient tellement marre de lui qu'ils ont détruit la maison. Et alors, on l'a reconstituée à l'identique. Vous voyez, c'est une maison avec une chambre à l'étage, parce qu'ils ont toujours peur aussi des inondations, des pluies énormes. Et cette maison avait un puits, le puits de la maison du Jouir. Le puits a été bouché, mais il y a quelques années, on a débouché le puits et on a retrouvé beaucoup d'objets ayant appartenu à Gauguin. Et c'est là qu'on a pu déterminer, en faisant des recherches ADN, de quoi il était mort. Je vous en raconterai ça tout à l'heure. Alors, photo ancienne d'Ivaoa, ça n'a pas changé, hein. Voilà. Alors, un tableau aussi, et l'or de leur corps. 1901, peint aux Marquises, hein, donc toujours deux femmes nues sur la plage, mais vous voyez que la plage n'est pas du tout rose, elle est grise, hein, comme aux Marquises, hein, et puis avec des fleurs au fond. Alors, de quoi vivent les Marquisiens? Eh bien, ils vivent du copra. Alors, le copra, est séché, hein, sur des grandes claies. C'est de la noix de coco et qui permet d'obtenir de l'huile. Et avec cette huile, plus des huiles essentielles de tiare ou d'ylang-ylang, on fait le fameux monoï. Mais on ne fait pas le monoï aux Marquises, on fait le monoï à Tahiti. Et alors, l'Aranui fait la tournée des îles en recueillant tous les sacs de copra. Et alors, sur les quais, on voit les Polynésiens qui font peser leur copra. Alors, les Polynésiens aussi ont une boisson très enivrante, qui est une plante qu'on appelle le kava. Et donc, c'est une plante qui a des qualités, enfin, hallucinogènes. Donc, alors, toujours une vision de. Vous voyez, c'est un piton avec la forêt tropicale. Alors, il y a quand même des enfants en Polynésie, des adultes et des enfants. Il faut savoir que dans chaque île, il y a des écoles primaires, maternelles et primaires.
Il y a des collèges, il y a au moins deux collèges, sinon trois, mais il n'y a pas de lycée. Et quand les enfants doivent rentrer au lycée, ils sont inscrits d'office à Tahiti et ils reviennent aux vacances scolaires en avion, payé par l'éducation nationale, pour toutes les vacances scolaires. Et ensuite, ils peuvent poursuivre leurs études à Tahiti où il y a une université, mais aussi en France. Et on a visité pas mal d'écoles. Les écoles sont extrêmement bien équipées. Et les enfants sont heureux. Là, l'école n'avait encore pas commencé, mais les enfants jouaient dans l'école. Alors, après la classe, les enfants vont beaucoup sur la plage. Vous voyez, la plage n'est pas très engageante, c'est presque de la boue, hein. Et alors, il y a un truc, si les enfants se baignent, on peut se baigner. Moi, j'ai jamais essayé, mais. Et s'ils ne se baignent pas, c'est qu'il y a des requins tout près. Il n'y a jamais d'accident. Les requins peuvent venir jusqu'au bord. Alors, voici une vue d'une île des Marquises. Elles sont presque toutes identiques. Ce sont donc des montagnes qui tombent dans la mer, avec toujours un très très bel éclairage qu'on retrouve dans les tableaux de Gauguin. Et de là, c'était un soir, la mer n'est pas bleue du tout, hein. Alors, autre tableau peint par Gauguin, Cavalier sur la plage de 1902. Alors, toujours. On trouve aux Marquises encore des chevaux sauvages et des jeunes qui se baladent à cheval. Accru, il n'y a pas de selle. Donc là, c'est un tableau avec la plage est rose, vous voyez, et tout au fond, il y a deux personnages à cheval encapuchonnés. C'est toujours les angoisses de Gauguin qu'on a déjà vues. Et il s'est inspiré énormément des chevaux de course dans un paysage de Edgar Degas de 1895. Alors, je vous ai parlé des enfants à l'école. Là, on fait aussi beaucoup de musique aux Marquises. Et là, c'est un enfant de 4 ans qui souffle dans un instrument traditionnel. Il est assis sur des palmes et c'est très joli, hein, ce qu'ils font. Alors, ici, c'est des marquésiennes, alors qui sont aussi en robe traditionnelle, les robes dites du missionnaire, en rose, mais toujours extrêmement bien habillées, souriantes, agréables. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des plateformes, les plateformes où il y avait des tikis. Eh bien, c'était des plateformes qu'on trouve dans toutes les îles de Polynésie, hein, qui servaient à des cérémonies, souvent d'ailleurs assez violentes, parce que avant l'arrivée des missionnaires, il y avait du cannibalisme. Et ces plateformes ont peu à peu été ont disparu sous l'effet de la colonisation et puis des missionnaires. Et vraiment, la culture marquisienne a été reconnue simplement dans les années 70 par un évêque, Hervé Le Clash, Le Cléache plutôt, qui était donc évêque des Marquises et qui a dit non, non, la culture maori est une culture intéressante, hein, et il faut absolument la préserver. Il faut savoir aussi que les Marquésiens ne parlent pas la même langue que les Tahitiens. Alors, donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu l'autorisation de reprendre leur danse rituelle, hein, et je vais vous montrer ce que c'est que les danses rituelles. Voilà.
C'est assez impressionnant, hein. D'abord parce que ce sont presque des géants, hein. Et c'était à l'origine, c'était des guerriers. Et donc là, vous les voyez, c'est un groupe folklorique, mais ils font ça régulièrement, hein. Alors, ils sont tatoués, ils ont des colliers de dents de requin ou de sangliers. Les types sont des géants énormes. Moi, je dis toujours que il paraît que d'ailleurs qu'ils peuvent jouer au rugby. Ils jouent d'ailleurs très bien au rugby ou faire partie. Ils peuvent faire partie aussi des commandos de marine. Hein? Quand on est en face de ces types-là, c'est. Et alors donc, ils chantent, ils dansent. Hein? C'est très très impressionnant de les voir. Et ils sont accompagnés de femmes, vous voyez, qui ont donc le costume traditionnel. Elles ont des jupes dans un espèce de raffia, en fait. Et puis toujours les fleurs d'hibiscus ici. Alors, autrefois, les femmes avaient l'interdiction de monter dans les pirogues des hommes. Et c'est pour ça que quand les premiers Européens sont arrivés en Polynésie, ils n'ont pas compris pourquoi les femmes venaient à la nage à leur rencontre. C'est parce qu'elles n'avaient pas le droit de monter sur les pirogues. Et les Européens ont pris ça dans un sens érotique. C'était les femmes qui désiraient les hommes. C'était pas du tout ça. Alors, voici une photo d'une jeune femme avec son bébé, hein. Alors, toujours souriante, toujours la fleur de Tiaré, vous voyez. On n'a jamais rencontré quelqu'un qui faisait la tête. Toujours des gens très très agréables. Voici une grand-mère. Vous voyez, avec le petit-fils ou la petite-fille, et elle a la couronne traditionnelle. Et la couronne traditionnelle, on la change toutes les semaines. Alors, les femmes tissent, c'est vraiment des couronnes de fleurs avec ce qu'elles ont sous la main, hein, mais tout le monde porte une couronne. C'est pas du tout quelque chose de folklorique. Alors, une autre vue d'Ivaoa, hein, donc l'île où était Gauguin, et vous voyez au fond la caldeira, hein, donc le volcan qui s'est effondré. Là, il n'y a aucune plage. Hein. Alors, sur l'île d'Ivaoa, il y a environ 2 500 habitants. Et il y a deux communes, dont Atu-Ona. Atu-Ona, faut pas jouer. Voilà. Dans toutes ces villes, ces toutes petites villes, vous avez toujours l'école, bien entendu, je vous ai parlé de l'école, la mairie, le centre de santé, et puis une salle polyvalente et la poste. C'est extrêmement bien organisé pour la santé parce que dans toutes les îles, il y a des médecins, sauf une. On a vu qu'il y avait deux infirmières qui sont là. Et en cas de problème, eh bien, on appelle l'hélicoptère ou l'avion, on vient chercher la personne qui est malade. Si on ne peut pas le soigner sur place à l'hôpital des Marquises, eh bien on les envoie à Tahiti. Et si ce n'est pas possible, à Tahiti, on les envoie soit en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en France. La sécurité sociale prenant tout en charge. On a appris aussi en discutant avec les Marquésiens.
qu'ils voudraient bien être gérés directement par la France et non pas appartenir à la Polynésie, qui a un statut un peu de territoire indépendant à l'intérieur de la République. Ils trouvent que Tahiti est bien loin et qu'on s'occupe pas assez d'eux. Ça, on l'a entendu un certain nombre de fois. Alors, ça, c'est un tableau toujours de Gauguin qui s'appelle Idylle à Tahiti en 1901, mais qui a été peint aux Marquises. Alors, là aussi, c'est un moment de bonheur. Et ce qui est intéressant, c'est au centre, vous avez comme un cratère de lave, vous voyez, noir au milieu de la terre rouge. Alors, voici une femme marquésienne. Alors, elle a bien entendu la couronne, le collier de coquillages, et ça, c'est une photo qui a été prise sur la plage, pas sur la plage, sur le quai, hein. Toutes les femmes sont comme ça. Voici encore une photo attendez, je ne sais plus où ça a été pris. Sur une plage toute pleine de limons, hein. Mais elles sont toutes pareilles, alors de toute façon. Toujours une photo d'une marquésienne, vous voyez qu'elle sort absolument d'un tableau de Gauguin. Alors, un tableau peint aussi dans la maison du Jouir, c'est la Femme et jeune homme 1899. Hein, c'est une femme qui est assise dans un fauteuil avec une robe de missionnaire rose, et derrière, vous avez un homme sur un fond jaune. Et au fond, vous avez une espèce de tapisserie qui évoque des dessins polynésiens. Alors, toujours une femme, une danseuse en costume traditionnel, voyez, avec ses plumes d'oiseau. Les femmes ne sont pas tatouées, mais vous allez voir tout à l'heure que les hommes le sont. Tournesol dans un fauteuil, tableau aussi, vous avez un fauteuil et au milieu des tournesols, et sur la droite, vous avez un tableau de Gauguin. Alors, on chante et on danse beaucoup. Aux Marquises et en Polynésie en général, et ils utilisent un instrument qu'on appelle le ukulélé. Très très bel instrument de musique, qui est une petite guitare. Et ils chantent. Alors vous voyez ici ce musicien a aussi la couronne de fleurs, et il porte comme collier des dents de requin et de sanglier. Alors voici des vues des Marquises. Alors soit la végétation est complètement pelée, soit c'est de la forêt tropicale. Mais alors c'est absolument époustouflant de beauté, hein, parce qu'il y a des éclairages extraordinaires. C'est fascinant. On ne se lasse pas de voir ces paysages. Alors là, c'est un jeune homme qui est tatoué.
Et alors, les tatouages avaient été interdits jusqu'en 1971, hein, et maintenant, tous les jeunes hommes se font tatouer. Mais ils prennent pas des modèles, si vous voulez, comme chez nous, tirés d'un catalogue. Ils se font tatouer avec des dessins rituels. Alors, en voilà un, par exemple. C'est un dessin qui représente le fameux nono. Vous voyez, les insectes qui piquent très, très fort. Et pourquoi est-ce qu'ils se font tatouer ces dessins? C'est pour empêcher les nonos de les piquer. Ben, ça ne sert à rien, mais c'est symbolique. Alors, voici un marin de la Ranui qui, lui, était tatoué des pieds à la tête. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Et il a à l'oreille une manille de marin. Alors, vu de la nuit aussi, quand on fait le tour des îles, ça c'est le soir, vous voyez, donc c'est vraiment des anciens volcans qui tombent dans la mer, avec souvent sur les flancs une très très belle végétation. Autre photo. Alors là, pour une fois, la mer est bleue, c'est rare. Au fond, vous verrez, vous voyez la hauteur des montagnes, et au fond, vous allez apercevoir une toute petite plage, mais c'est très réduit. Voilà, là aussi une plage, et avec au fond une cocoteraie. Alors, pour accéder, il y a des routes à l'intérieur des îles, hein, parce que chaque île a au moins un petit aérodrome. Et quand on se balade à l'intérieur de l'île, on n'a pas de car. Hein. Ce sont les gens du cru qui arrivent avec des pick-up et ils prennent quatre personnes dans chaque pick-up et c'est eux qui nous emmènent se promener, donc ce qui nous permet de discuter avec des Marquésiens. En général, ils sont pas malheureux. Ils sont de toute façon, ils sont toujours très contents de ce qui leur arrive. Alors, c'est formidable. Alors, pour passer de vallée en vallée, c'est quelquefois long. Ouais. Alors, ça, c'est un autre tableau qui s'appelle Jeune fille à l'éventail, peint en 1902. Alors, Gauguin, dans sa maison du Jouir, il avait quand même un cuisinier. Donc, il était servi. Ça, c'est l'épouse du cuisinier qui l'a fait poser. Alors, toujours la même chose, un fauteuil. Hein, elle tient à la main un éventail fait de plumes. Hein, et puis, elle est rousse. Hein, et elle est vêtue d'un appareil blanc. Voilà, autre vue, vous voyez des marquises. Alors, il y a des îles qui sont complètement pelées, ou d'ailleurs où il n'y a presque personne. Et il y a des îles complètement désertes. Donc le climat change énormément d'île en île. Voilà, encore une vue. Alors vous devant, là c'est bien parce que les bateaux vous montrent l'échelle. Vous voyez que la montagne est très très haute. Et il y a bien entendu des bateaux français d'ailleurs, souvent, de gens qui se baladent en Polynésie et qui viennent. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui vivent sur leur bateau, mais ils ne sont pas très nombreux. Mais il y a beaucoup de touristes hein, qui viennent visiter les îles. Alors,
Autre scène, vous voyez deux femmes avec une petite fille dans les bras, qui sourit toujours. Hein. Alors ça, c'est un tableau Conte barbare, 1902. Tout à l'heure, je vous ai montré la femme du cuisinier là, qui était rousse, eh bien, c'est la même. Hein, donc la femme rousse porte des fleurs de tiare, et puis derrière, il y a un personnage qui serait le poète Jacob Meyer d'Hanan, qui était un ami de Gauguin et qui vivait à Ivaoa. Vous voyez, c'est intéressant parce que souvent vous avez presque la même scène, deux femmes et puis derrière des personnages qui veulent dire quelque chose. Et là, il regarde, on ne sait pas très bien. Alors, voici une vue aussi, on s'est rapproché en bateau. Et là, vous voyez, c'est une cocoteraie qui descend à flanc de montagne sur la mer. Là, il n'y a pas de plage. Voilà une petite fille. Alors, les petites filles, dès 4-5 ans, portent aussi des couronnes de fleurs qui sont absolument magnifiques. Elles vont à l'école avec leur couronne de fleurs. C'est assez étonnant tout ça. Alors, voici une marquisienne qui sort tout droit d'un tableau de Gauguin, parce que vous avez exactement les mêmes teintes. C'était une femme dans un restaurant. Voilà encore une. Donc, même profil et puis des couleurs. Alors, Le sorcier d'Ivaoa, 1903, c'est un des derniers tableaux de Gauguin. C'est un Marquésien qui a une cape rouge. Dans chaque village, il y avait un sorcier. Et donc, il tient derrière, vous avez encore deux personnages, et devant un chien qui tient dans sa gueule un oiseau au plumage violacé. C'est la, il a, on dit que Gauguin a assisté à cette scène, c'est la capture d'un oiseau qui est une espèce aujourd'hui disparue, et dont les ossements ont été découverts dans l'île. Et c'est le pouvoir aussi du sorcier qui régnait à Ivaoa. En Polynésie, je vous ai dit tout à l'heure, à Tahiti, on est plutôt protestants et évangéliques, mais aux Marquises, ils sont catholiques et très catholiques. Hein. Ils vont beaucoup aux cérémonies, c'est très important. Mais il y avait toujours le sorcier. Alors, Gauguin, il a des pustules aux jambes parce qu'il n'a pas la grâce de Dieu. Voilà ce que disaient les Marquésiens. Donc Gauguin a aimé cette terre des hommes. Terre des hommes, c'est le nom des Marquises pour les Marquésiens. Il était ami d'un pasteur protestant et d'un exilé politique vietnamien. Il boit et chante, accompagné d'un harmonium et d'une guitare. Il se couche et se lève avec le soleil. Il a laissé un fils et une fille, en plus de ses cinq enfants franco-danois. Et puis, les descendants vous disent, ici, c'est le quartier Gauguin, comme on appelle cette colonie. Ils n'aiment pas en parler, parce que l'artiste n'a pas bonne réputation. Et il racontait qu'il avait la syphilis. Ça, c'est faux.
Parce que des analyses récentes, à partir de l'ADN de ses dents retrouvées au fond de son puits, prouvent qu'il n'en souffrait pas, mais un eczéma très grave à la jambe. Et les marquises catholiques n'aimaient pas le vieux loup solitaire et blessé, toujours avide de chair fraîche. Et alors, Gauguin est mort d'épuisement le 8 mai 1903. Il était atteint d'une maladie de peau, mais je crois surtout qu'il était très, très, très fatigué. Alors, ça, c'est une photo d'un descendant de Gauguin avec sa fiancée. Et vous voyez, ils ont la reproduction d'un tableau qu'on a vu tout à l'heure, des deux femmes portant des mangues. Toujours une photo d'Iva Oar. Voilà, avec les pains de sucre. Alors, Gauguin a été enterré dans le cimetière d'Iva Oar. Vous avez là, c'est une photo qui est prise dans le cimetière. Et le cimetière est actuellement complètement abandonné. Donc, on est au milieu des herbes folles. Ça fait un drôle d'effet parce que les habitants du village ont créé un autre cimetière. Là, ce cimetière était en surplomb, le cimetière de Gauguin était en surplomb, et ils ont préféré enterrer leurs morts beaucoup plus bas. Donc, le cimetière, il y a des tombes abandonnées, mais il reste celle de Gauguin et celle de Brel, qui sont côte à côte. Vous voyez le cimetière? C'est assez étonnant de. Quand on est arrivé là, on était un peu surpris de voir que tout était à l'abandon. Alors, heureusement, la tombe de Gauguin est propre. Elle est nettoyée régulièrement. Donc, ce sont simplement des pierres avec dessus Paul Gauguin avec sa date de naissance et de mort. Et puis, il y a toujours des fleurs de tiaret. Mais les gens d'Atounoa ont quand même construit à l'intérieur, à côté de la maison du Jouir, un musée où il y a des reproductions extrêmement bien faites des œuvres de Gauguin. Mais ils n'ont aucun original, aucune toile originale. Toujours une vue de marquise. Et alors, comment ça s'est passé après la mort de Gauguin? Eh bien, on a tout ce qu'il y avait dans la maison a été expédié dans la maison du gouverneur. Et puis, Victor Ségalen, vous savez, l'écrivain, médecin de marine, auteur de Stèle, est arrivé quelque temps après. Et c'est à bord de l'aviso La Durance qu'il arrive à Nuku'iwa en août 1903. Et c'est là qu'il récupère tous les tableaux de Gauguin, et avec les lettres aussi que Gauguin avait écrites, en particulier à sa fille Aline. Il découvre aussi des dessins, des albums, des courriers, etc. Il emporte tout et il rentre en contact avec Georges de Montfred, qui était un ami de Gauguin, et Georges de Montfred, qui était un sculpteur et collectionneur, est le père de Henri de Montfred, le navigateur et auteur de livres d'aventure. On a fait l'inventaire de ce qu'il a pu sauver, parce qu'autrement, les Marquésiens ont vendu tout ce qu'ils pouvaient de ce qui restait des affaires de Gauguin. Et Victor Ségalen a remporté tout ça à Paris. Pendant ce temps-là,
les habitants, les voisins plutôt de Gauguin, ont détruit la maison, mis tout ce qu'ils pouvaient dans le puits, hein, ce qui n'avait aucun intérêt, et puis il n'y avait plus rien. Vous voyez comment il a été bien. Les gens ne l'aimaient pas. Alors voici la maison du gouverneur à Nikouiva, hein, où toutes les affaires ont été entassées. Et puis, un timbre qui rappelle Victor Ségalen, hein, le Brestois médecin de marine, très grand écrivain, qui a écrit sur la Polynésie, mais aussi surtout sur la Chine. Et puis une photo de l'aviso La Durance, hein, sur lequel servait Victor Ségalen. Alors, qu'est-ce que sont devenus tous les tableaux? Eh bien, Victor Ségalen a remis tout à Ambroise Vollard, qui était le plus grand marchand de tableaux de l'époque et qui s'intéressait à l'avant-garde, Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Picasso, Matisse, etc. Il avait des relations extrêmement tumultueuses avec Gauguin. Mais il lui a quand même versé une rente annuelle, et c'est avec cette rente que Gauguin a pu vivre aux Marquises, parce qu'aux Marquises, il ne vendait aucun tableau. Et alors, à la mort de Gauguin, quand Ségalen est revenu avec les tableaux, il organise une grande exposition à Paris et les prix flambent. Et Gauguin disait déjà à l'époque, avant sa mort, que Vollard attendait sa mort pour spéculer, ce qui fut le cas. Et alors, les tableaux ont été achetés tout de suite par des collectionneurs du monde entier, dont des Russes, des Américains. Il y a de très beaux tableaux russes à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Voilà, alors, voilà un portrait d'Ambroise Vollard par Cézanne. Et Ambroise Vollard est mort en 1939. Et il a eu le temps de faire de l'argent. Alors, là, c'est une photo de la Ranui vue de Bora Bora, hein, avec les couleurs extraordinaires de Bora Bora. Vous avez des bleus. Alors là, c'est plus du tout la Polynésie volcanique, hein, ce sont les lagons. C'est pour ça que les gens connaissent et aiment Bora Bora. Voilà ce que. C'est absolument enchanteur quand on s'y balade. Et là, on peut, dans les lagons, on peut se baigner. Il n'y a aucun problème. Tandis que aux Marquises, c'est quand même plus difficile. Alors, pour terminer, la tombe de Jacques Brel, qui est juste à côté de celle de Gauguin. Alors, Jacques Brel a laissé, lui, un très très bon souvenir aux Marquises. Parce qu'il est arrivé, il était déjà malade, mais il s'est mis au service des Marquésiens avec son avion qui était un Cessna. L'avion s'appelait Jojo et l'avion est dans un musée maintenant. On peut et dès que les Marquésiens avaient des problèmes, Jacques Brel les emmenait à Tahiti avec son avion. Et donc, Jacques Brel n'est pas mort aux Marquises. Il a été rapatrié en urgence. Il est mort en France. Mais il avait demandé que son corps soit ramené à Ivaoa. Et donc, il a été ramené. Et alors, c'est une tombe, vous voyez, dans le village, enfin dans le cimetière abandonné, là. Mais il y a toujours un tas d'objets. C'est assez émouvant. Et puis pour terminer, j'ai mis
ces paroles de la chanson de Jacques Brel sur les marquises. Voilà, les femmes sont lascives au soleil redouté, et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin, et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Voilà, je vous remercie. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain, quelques vieux chevaux blancs qui fredonnent Gauguin. Et par manque de brise, le temps s'immobilise aux marquises. Du soir montent des feux et des points de silence qui vont s'élargissant et la lune s'avance. Et la mer se déchire, infiniment brisée, par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et puis, plus loin, des chiens, des chants de repentance, et quelques pas de deux, et quelques pas de danse. Et la nuit est soumise, et l'Alysée se brise aux marquises. Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard. Le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour que les sœurs d'alentour ignorent d'ignorer. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux marquises. Thank you.